You are the God of miracles. You gave me joy and peace within, Lord. Yes, I have come to testify. No one can do the things you do. Always on time, you never late. I've got to stand and testify, Lord. Tu peux pousser des cris de joie pour l'Éternel ce soir. Parce qu'il a été bon pour nous depuis 2020. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux juste regarder ton voisin du lit? Bonne année. Meilleur vœu 2021. Regarde ton voisin, dis-lui, je suis très content que tu sois mon voisin ce soir. Amen. Amen. Je voudrais qu'en quelques minutes, que tu fermes tes yeux. Que tu élèves tes deux mains. Que tu fermes tes yeux. Tu contemples la bonté de l'Éternel dans ta vie. Durant toute l'année 2020. Il y a une chose pour laquelle tu peux être reconnaissant. En 2 minutes, je veux que tu élèves ta voix, commence à adorer Dieu, dis-lui merci. Vas-y, élève ta voix. Dis merci au Seigneur. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Adore-le ce soir. Quand tu regardes toute l'année 2020, la manière dont il t'a gardé, il t'a protégé. Il a protégé ta famille. Malgré le coronavirus, malgré les difficultés, malgré les épreuves, Dieu t'a gardé. Tu n'as pas perdu ta foi. Dis merci au Seigneur. Dis-lui merci. De partir où tu nous suis. Même sur Internet, rends grâce au Seigneur. Seigneur, je te remercie ce soir. Tu es merveilleux. Je viens t'élever ce soir. Je reconnais que c'est par toi. Je viens te glorifier ce soir. Alors je magnifie ton nom au-dessus de tout nom. Mon cœur te glorifie à jamais ce soir, Jésus. Nali olo bela moko hawana se moto kokani na yo Le ciel est ton trône, la terre ton marche-pied, mais tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux. Hey! Et
Oh, Emae, sotele la kebo. Oh, Emae, tongole la lola. Emae, Emae, sotele la kebo. Na yo ki posa komata, yo sa komata, na komata na lola. Chante avec moi. Ce merveilleux moment que nous allons passer dans ta présence. Merci pour la présence de chacun de nous. Seigneur, parle au travers de moi. Parle au travers de moi. Que je diminue, que je disparaisse, et que ce soit toi en train de parler au travers de moi. J'élève le nom de Jésus en ce lieu. J'élève le nom de Jésus en ce lieu. Je neutralise toute activité démoniaque en ce lieu. Merci Saint-Esprit parce que ton peuple sera édifié. Le diable sera horrifié. Et ton nom sera glorifié. C'est dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus nous avons ainsi prié. Quelqu'un crie trois fois Amen. 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 Tu peux acclamer fortement. Beta maboko. Soro maxipe mon lolo sali lisumu te pona nzambe. Tu restes debout. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 26 à 27. Tikala likolo tokotanga mokanda libosa ba Corinthia mokapona ngwa libwa bolongwa tukumelele motoba kino tukumi bale na sambo. Je vais mettre mon instrumental technique. En Corinthiens chapitre 9, le verset 26 à 27. La Bible déclare: Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Père, d'être moi-même rejeté après avoir péché aux autres. Et nous savons que ce soir, l'année 2020 tend à sa fin. Et l'année 2021 est une nouvelle année. Et nous avons décrété l'année 2021 comme étant une année d'accélération divine. L'année 2021 pour les gagneurs d'âmes est une année d'accélération divine. J'ai dit accélération divine. Si l'année passée tu as été bloqué par un esprit de retard, mais l'année 2021 il y a l'onction
d'accélération qui va descendre sur toi. Je veux que tu puisses chercher 20 personnes. Ne les salue pas. Tu le dis seulement, l'année 2020, c'est une année d'accélération pour toi. L'accélération pour toi. Tout doit accélérer dans ta vie. Tes affaires doivent accélérer. Ton mariage doit accélérer. Ton travail doit accélérer. Tout de toi doit accélérer. Toi qui es resté assis, je ne sais pas si tu es toujours dans les retards ou tu continues à accélérer. Accélération 2021. L'accélération. Si tu es un enfant des gagneurs d'âmes, l'année 2021, tu dois vivre l'accélération. Et je déclare que tu vivras l'accélération. Je déclare que tu vivras l'accélération dans tous les domaines de ta vie. Si tu le crois, que Dieu le fasse dans ta vie. Je dis, celui qui dit amen, Nzamba sale la haut benza. Amen. Tu peux t'asseoir. C'est quoi l'accélération? L'accélération, c'est l'augmentation de la vitesse. Quelqu'un dit augmentation de la vitesse. Augmentation de la vitesse. Je ne t'entends pas. À son côté. Accélérer, c'est le fait de rendre plus rapide en se déplaçant plus vite. La Rousse définit accélérer comme étant rendre plus rapide une action. Accélérer pour la Rousse veut dire que c'est faire qu'un processus puisse s'installer plus vite avec plus d'ampleur. Et la Rousse va plus loin en disant que accélérer, c'est faire qu'un événement ait lieu plus rapidement. Souvent, lorsque nous embarquons dans un avion, nous remarquons que lorsque l'avion veut prendre de l'envol, l'avion est obligé d'augmenter la vitesse. N'est-ce pas? Oui. Donc, lorsque l'avion veut prendre l'envol, tu embarques dans l'avion, l'avion doit accélérer. Et je faisais quelques études pour savoir souvent à quelle vitesse, quelle est la vitesse qu'un avion doit atteindre avant de s'envoler. Et j'ai découvert que, par exemple, un avion Airbus A380, avant de prendre l'envol, et cet avion doit atteindre une vitesse de 270 km par heure avant de s'envoler. Donc, quand l'avion commence à accélérer et atteint le 270 km par heure, l'avion est obligé de s'envoler. Comme l'exemple d'un avion, tout changement de niveau s'effectue par une accélération. Je répète, tout changement de niveau s'effectue par une accélération. Lorsque une voiture veut changer de vitesse, le chauffeur doit accélérer, appuyer l'embrayage et puis changer de vitesse. Et de la
même manière comme Dieu dit aux gagnants d'âme que l'année 2021 est une année d'accélération. Ça veut dire que Dieu nous demande d'accélérer parce que nous venons prendre l'envol. Dieu nous demande d'accélérer parce que nous sommes sur le point de prendre de l'envol. Gagnant d'âme est sur le point de changer de niveau. Amen. Amen. Gagnant d'âme est sur le point de changer de niveau. Et lorsque je parle de gagnant d'âme, je parle de toi, je parle de moi. Donc, pour que ta vie prenne de l'envol, cela nécessite une plus grande vitesse, une accélération. Pour que la vision que Dieu a donnée aux gagnants d'âme prenne de l'envol, cela nécessite une plus grande vitesse et une accélération. Pour que tes projets, tes affaires, tout ce que tu fais prenne de l'envol, cela exige une accélération. Je déclare sur la vie de quelqu'un ce soir que je te vois prendre de l'envol. Je dis, je te vois prendre de l'envol. Je vois tes affaires prendre de l'envol en 2021. Je vois tes études prendre de l'envol en 2021. Je vois tes enfants prendre de l'envol en 2021. Je vois ton ministère prendre de l'envol en 2021. Si tu le crois, que Dieu le fasse pour toi en 2021. Si tu le crois, que cela soit ton partage au nom de Jésus. Celui qui dit Amen, que Dieu le fasse pour toi. Dis Amen, que Dieu le fasse pour toi. Quelqu'un dit accélération. Accélération. L'accélération divine nous fait passer d'une gloire à une plus grande gloire. Et ceux qui s'habillent, l'accélération divine te fait passer d'une gloire à une plus grande gloire. Agé chapitre 2, verset 9. Agé mon kapwami balé molongwa libwa. Agé chapitre 2, verset 9. La Bible dit ceci. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Depuis janvier 1985 jusqu'à décembre 2020, c'était la première gloire des gagnants d'âme. Depuis janvier 1985, c'était la première gloire des gagnants d'âme. Et la Bible dit ceci: la gloire de cette dernière maison, de la deuxième maison, ça veut dire de 2021, sera plus grande, sera plus glorieuse, sera plus professionnelle, sera plus élevée de 1985 à 2020. Cette gloire va commencer à faire avec gagnant d'âme en 2021. Nous sommes en train de monter d'une gloire à une plus grande gloire. Nous, de gloire en gloire. De gloire en gloire. Gagnant d'âme, je parle à quelqu'un ce soir. Ce message est prophétique pour les gagnants d'âme. Il y a une saison que Dieu a arrêté à qui s'arrête aujourd'hui. Et il y a une nouvelle saison qui commence demain. Et cette saison, c'est pour les gagnants d'âme, c'est pour toi et c'est pour moi. Gagnants d'âme 2021, Dieu va nous élever dans le monde. Gagnants d'âme 2021, nos églises seront grandes. Gagnants d'âme 2021, Dieu va élever des grandes personnalités dans le gouvernement à partir d'ici. Gagnant d'âme en 2021, Dieu va souhaiter des grandes familles
homme d'affaires. Yes. Montre-nous dans une autre gloire. Les gens vont te dire que papa n'a dit ça quoi? Avant que Sagibino n'a kissé. Parce que qui si on a la kisa gibiso, ils ont des esprits, ils ont mon limon, ils ont onction, akufa ki nango ta kibiso ango. Amen. My God. Zambe nanga. Nous allons d'une gloire à l'autre, d'une gloire à une grande gloire. Tokobi kanke mona mosusu, kembo mosusu na kembo mosusu ko le. Celui qui est devant toi dit, je vais d'une gloire à une plus grande gloire. D'une gloire à une plus grande gloire. Le travail que tu avais en 2020 ne sera pas le même travail que tu auras en 2020. Celui qui fait des affaires, les affaires que tu faisais en 2020 ne seront pas les mêmes affaires que en 2021. Là, je suis en train de parler aux hommes et aux femmes d'affaires. Là, je parle aux hommes et aux femmes d'affaires. Là, le capital que tu as fait en 2020, ce ne sera pas le même capital que tu auras en 2021. Le quoi reçoit cela? Je reçois au nom de Jésus. Si tu le crois, reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Si tu le crois, dis yes. Yes. Mon Dieu. Zambé Nangai. Oh Seigneur. Oh, yeah. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Jésus. Mon Dieu. Zambé Nangai. D'une gloire à une plus grande gloire. Nkembo na kembo a monene koleka. D'une gloire à une plus grande gloire. Nkembo na kembo a monene koleka. Oh, je déclare sur la vie de quelqu'un que tous ceux qui ont fait la propagande de ton échec en 2020 feront aussi la propagande de ton élévation en 2021. Tous ceux qui ont fait la propagande de ton célibat en 2020, ils vont faire la propagande de ton mariage. Abali. Donc on s'en a ma balle en cascade et la gagnère d'âme. Yes. Ma balle en cascade et la gagnère d'âme. Amen. Fais ce geste prophétique. Salarabou. Ah, bah célibataire, n'y a ce bonjour. Ma balle en la commune à Esu. Nayambie. On est abisso, bah célibataire. Oh Seigneur. Oh Yahweh. Mon Dieu. Je continue à déclarer que tous ceux qui ont fait la propagande de ta stérilité seront les mêmes personnes qui vont faire la propagande de tes jumeaux. Yes, je le reçois. Mon Dieu. 2021, c'est d'une gloire à une grande gloire. Regarde ton voisin, dis-lui, si tu ne crois pas, moi je crois à ta place. Le bas sort du matin, zone du manesika na yo. En 2021, cette église, il faut tosomba kuna, tosombibu et puis tokelikolo. Amen. Tosombikuna. Toke boe, et puis toke. Amen. Yes. Parce que nous allons d'une gloire à une plus grande. Tozo kene na kembo, na kembo a mon nene koleka. Quelqu'un dit accélération divine.
Accélération divine. Plus de retard. Si toi tu vas rester derrière Etalio, mais nous là, cette année 2021. Accélère. On va accélérer. Bandokia famille, il faut pas ça. Parce que vitesse, tu es Bako kanga ministère na yote, bako kanga mapamboli na yote, bako kanga miracle na yote, parce que vitesse est la divine. Quelqu'un dit accélération. Accélération. L'accélération divine fait en sorte. Et ça, la canatine était que nous puissions racheter le temps perdu. Racheter le temps perdu. Joël chapitre 2, verset 25. Voici ce que la Bible dit. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Je ne sais pas si c'est la sauterelle, c'est qui. Ou c'est quoi. Mais Dieu dit, il va remplacer les années qu'ont dévoré la sauterelle. Notez bien. Comment malin? Lorsque tu perds une chose que tu ne pensais jamais perdre, Dieu va la remplacer par une chose que tu ne pensais jamais avoir. Je répète. Lorsque tu perds une chose que tu ne pensais jamais perdre, Dieu va la remplacer par une chose que tu ne pensais jamais avoir. Peu importe ce que tu as perdu en 2020, je vois l'Éternel la remplacer par une chose que tu ne pensais jamais avoir. Si tu as perdu une quelconque position en 2020, je vois l'Éternel te donner une position que tu ne pensais jamais avoir. Si tu as perdu de l'argent en 2020, je vois Dieu te donner de l'argent que tu n'as jamais pensé avoir. Si tu le crois, que Dieu le fasse dans ta vie au nom de Jésus. Si tu le crois, reçois cela au nom de Jésus. Il va remplacer les années perdues. Il va remplacer le temps perdu. Tu vas racheter le temps que les sorciers t'ont fait perdre. Tu vas remplacer le temps que tes ennemis t'ont fait perdre en 2020. Je vais même aller plus loin. Tu vas récupérer. Tu vas récupérer le temps que Corona t'a fait perdre en 2020. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Jésus. Et alors, voici les préalables pour vivre l'accélération 2021. Voici les conditions que Dieu attend que nous puissions remplir afin de vivre l'accélération divine en 2021. Lisons Matthieu chapitre 4, le verset 19 à 20. Matthieu chapitre 4, verset 19 à 20. Voici ce que la Bible dit.
Il leur dit, à l'obina bango, suivez-moi. Bolananga. Et je vous ferai Benaro Salabino. Pêcheur. Palobi bato. Aussitôt. Nam tango wanaka. Ils laissèrent le filet et le suivirent. La première condition que Dieu attend de nous gagneurs d'âme afin de vivre l'accélération divine de l'Éternel en 2021, l'Éternel veut que nous puissions augmenter la vitesse avec laquelle nous évangélisons en 2021. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Dieu attend de nous dans une année d'accélération que nous puissions augmenter la vitesse avec laquelle, premièrement, nous évangélisons. Parce que l'évangélisation est le sens même pour lequel nous gagnons d'âme, nous existons. En novembre 1984, le Saint-Esprit a visité notre visionnaire, l'évêque Kalala Pé à son âme. En novembre 1994, et le Saint-Esprit l'a posé trois questions. Il lui a demandé, premièrement, est-ce que tu connais Marie? Il a dit oui. Abidio. Il a dit, est-ce que tu connais Jésus? Abidio. Il a dit oui. Abidio. Mais est-ce que tu connais comment Jésus est né? Il a dit non. Abidé. Et le Saint-Esprit commence à lui dire qu'il avait besoin d'un corps pour sauver l'humanité. Et que Jésus-Christ était le même hier, aujourd'hui, éternellement, et qu'aujourd'hui, Dieu aussi avait besoin d'un corps afin que Jésus puisse utiliser pour le salut de l'humanité. Et c'est alors que le Saint-Esprit l'a demandé de créer un groupe dénommé gagneur d'âme. Pour l'évangélisation mondiale. La raison d'être des gagneurs d'âme, c'est l'évangélisation. Je crois que tu allais dire un grand amen. La raison d'être des gagneurs d'âme, c'est l'évangélisation. C'est l'évangélisation. J'ai dit c'est l'évangélisation. J'ai dit c'est l'évangélisation. Rien d'autre. Notre bénédiction en 2021 de l'accélération divine est liée à la vision des gagneurs d'âme. La source de la bénédiction de chaque gagneur d'âme est liée à la vision des gagneurs d'âme. Donc, si nous voulons vivre l'accélération divine dans nos vies, nous devons d'abord accélérer la manière dont nous évangélisons. Yes. Nous ne devons pas continuer à évangéliser avec la même vitesse que nous avions en 2020. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un m'entend? Si tu m'entends, dis je t'entends, pasteur. Je t'entends, daddy. Et dis-moi, continue, pasteur. Continue, pasteur. Ok, je continue. Merci. Voilà, Nakobi, Matondo. Avant d'être protocole, Dieu d'abord gagneur d'âme. Avant d'être musicien, Dieu d'abord gagneur d'âme. Avant d'être sécurité, Dieu d'abord gagneur d'âme. Avant d'être partenaire, Dieu d'abord gagneur d'âme. Avant d'être Dieu d'abord gagneur d'âme. Avant d'être technicien, Dieu d'abord. Donc tu n'es pas musicien d'âme, mais tu es gagneur d'âme musicien. Musicien va passer sa main à bien. Amen. Tu n'es pas protocole gagneur d'âme, mais tu es gagneur d'âme. Hein? Protocole. La protocole va bien s'amener à bien. Yoga ya basi, tenor kaka.
Yoga yabashi. Elle qui pardon. Oh Seigneur. Oh Yahweh Jésus. Tu n'es pas partenaire gagnant d'âme. Tu es d'abord gagnant d'âme, hein? Partenaire. Osate mon souliami mongo. Pe mon lilema. Kato sa mon lilema. Pe mon souliami mongo. Bozeli koutou te nasen abino me bino mongo. Voilà bato akoukou. Tu n'es pas caméraman gagnant d'âme. Tu es d'abord gagnant d'âme, hein? Ozali monzoabi lili molongi milema te kato sa molongi milema na simando za monzoabi lili. Pendant que tu es en train de filmer, tu peux prêcher quelqu'un. Nathan Ozoabi lili au côté à moto. Pendant que tu donnes ton argent en tant que partenaire, tu prêches quelqu'un. Nathan Ope sa mbongo lokola mosungi au côté à moto. Pendant que tu es en train d'intercéder, tu prêches quelqu'un. Nathan Osambela au côté à moto. Si tu es chez les gagnants d'âme, sans avoir ballon milema, la vision ici, et mon Seigneur, c'est gagner des âmes. Et ça colonga milema. Si c'était la louange, sans dit na rokou même ça. Si l'église était la louange, sans dit na rokou ça. On allait mettre l'accent sur la louange. Donc quand le bel ami dit qu'on a rokou ça. Si c'était l'armée de l'Éternel, sans dit ma pinga la. On allait mettre l'accent sur les armées, les guerres, les tout ça. Donc quand mon côté qu'on a bitumba nyonso wana. Si c'était la compassion, sans dit pour savoir. On va mettre l'accent sur la compassion. Mais comme c'est les gagnants d'âme, on doit mettre l'accent sur l'évangélisation. Parce que c'est ça la vision et c'est la vision qui va nous bénir. Bien attiré, pèse un ramène à bien attiré, pèse un ramène à bien attiré. C'est ça. Yakwana. Mais si tu n'évangélises pas, si tu ne prêches pas, aujourd'hui, kaka, évangélisation, on est à département et évangélisation, on est à Libanda. Dans le bureau, on est à Libanda. Tu es à côté. Au Béti pénal, Libanda. Si tu es à la presse, tu dis seulement à Biloro, on est à évangélisation, on est à département, non. Non, ici, chez les gagnants d'âme, l'évangélisation n'est pas un département, mais l'évangélisation, c'est la vie du gagnant d'âme. C'est ça même l'existence des gagnants d'âme. Quelle est la devise des gagnants d'âme? C'est quoi la devise des gagnants d'âme? La devise des gagnants d'âme. Je ne parle pas de la vision des gagnants d'âme. J'ai dit la devise des gagnants d'âme. La devise des gagnants d'âme. Devise yabalong milema zali. Oh Seigneur. Oh Jésus. Quand on va chercher les membres pour Christ, on ne connaît même pas la devise des gagnants d'âme. Oh yébito don di baba mene bele bele. La devise des gagnants d'âme, devise d'absolument millema, un seul chemin. Zela moko, Jésus-Christ. Yesu Christo. Une seule tâche. Litono moko, l'évangélisation. Ko palangisa sango mala. C'est ça la devise des gagnants. Yango anande atina pona biso balongi millema. Je crois que je dois écrire ça là-bas. Et sengli na komango kuna. C'est dans le livre à l'école gagnants d'âme. Ezana babuku na etilo balongi millema. C'est ça la vision. Yango anande lisenga. Parce que si nous perdons la vision, nous serons dans la maladie. Nous devons garder la vision telle qu'elle n'est pas la changer. Un seul chemin. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Tâche. L'évangélisation. Est-ce que tu peux le répéter avec moi? Un seul chemin. Une seule tâche. L'évangélisation. Un seul chemin. Jésus-Christ. Une seule tâche. L'évangélisation. C'est ça la devise. Quel est le mot d'ordre des gagnants d'âme? Nini lilobamitin do balong milem. Le mot d'ordre des gagnants d'âme. Oye komete loa. Lilobamitin do balong milem. C'est quoi? Ezanin. Hein? Hein? Allez et faites des disciples. Bokenda pebo salaba yekoli. C'est ça le mot d'ordre des gagnants d'âme. Yango na lilobamitin do balong milem. Quelle est la vision des gagnants d'âme? Nini ne moni se na balong milem. Changer le monde pour Christ. Changer le monde pour Christ. Comment la mort qui les pond à Christ. Et quel est le verset clé des gagnants d'âme? Matthieu 9, 13. Matthieu 9, 13.
C'est ça la vision des gagnants d'âme. L'évangélisation est la priorité des priorités pour vivre l'accélération divine. Si toi, tu voyais que l'évangélisation était pour d'autres personnes, mais en 2021, toi-même, tu dois entrer aussi dans l'évangélisation, commencer à évangéliser comme tu n'as jamais évangélisé pour vivre l'accélération. Si tu n'évangélises pas, on va arriver à la fin de 2021 et tu vas dire que je n'ai pas vu la main de Dieu. Tu vas dire que je n'ai pas vu la main de Dieu. Et à qui ça sera la faute à qui? Ça sera la faute à qui? À Dieu ou à toi? Propre faute. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'évangélisation. Augmentons la vitesse. Accélérons dans l'évangélisation. Deuxième préalable. Nous devons augmenter la vitesse avec laquelle nous courons avec la vision. Augmenter la vitesse avec laquelle nous courons avec la vision. Paul qui dit dans 1 Corinthiens chapitre 9 le verset 26, il dit: moi donc je cours non pas comme à l'aventure, non pas comme à la à l'aventure. Il dit: je frappe non pas comme battant l'air. Et lorsque nous allons courir avec cette vision de l'accélération 2021, nous ne devons pas courir comme à l'aventure. Lorsque nous devons évangéliser, nous ne devons pas le faire comme à l'aventure. Mais nous devons faire comme des gens qui savent où ils sont en train d'aller et ce qu'ils attendent venant de Dieu en l'an 2021. Parce que nous savons que Dieu est sur le point de nous amener à un autre niveau. Nous savons que gagneur d'âme est sur le point de prendre l'envol. Mais avant l'envol, il faut courir. Il faut accélérer. Parce que j'ai dit au début qu'avant que l'avion ne puisse prendre la vol, elle accélère, il accélère, il accélère jusqu'à un point et puis l'avion s'envole. Et pour que la vision des gagnants d'âme prenne l'envol en 2021, nous devons courir, nous devons accélérer avec la vision, nous devons accélérer avec la vision. Regarde ton voisin, dis-lui: accélère avec la vision. Accélère, accélère. Accélère avec la vision. Accélère avec la vision. Accélère avec... En 2021, ce n'est plus le temps de marcher avec la vision, c'est le temps de courir avec la vision. On ne doit plus marcher avec la vision, mais on doit courir avec la vision. Alléluia. Oh Seigneur. Oh Jésus. Parmi la vision, parmi les choses que nous devons respecter dans la vision, nous avons le fond de mission. Fond de mission. Quelqu'un dit fond de mission. Fond de mission. C'est dans la vision. Et en a quatre moniceli. Donc, si tu ne donnais pas les fonds d'émission en 2020, année 2021, il faut accélérer avec les fonds d'émission. Si on a copé sa tête misoletinda, na mobo et c'est le qui m'emba on a copé sa misoletinda. Je veux que tu allais dire amen. Na bante on demango. L'onction d'accélération est déjà sur toi. Tu vas être en retard pourquoi? Et pas connu à ma wopotimba on zali kolosoli na simata ngoponani. Nous avons l'offrande du visionnaire. Nous avons l'isphomis. Nous devons accélérer avec la vision. Nous devons accélérer avec la vision de l'isphomis. Il faut que ça finisse. Il faut que ça finisse. J'ai dit il faut que ça finisse.
Amen. Amen. Ça finit. Et c'est ici là. La vision des gagnants. Nous avons l'école missionnaire. Nous avons le monde entier. On doit accélérer avec cela. Il y a une chose que j'entendais mon père dire à chaque fois. Il disait que le monde des oliviers est le pouls de la vision. Il disait le monde des oliviers, c'est le poumon de la vision. Le poumon, c'est ce qui fait en sorte que la vision puisse respirer. Et si la vision ne respire pas, elle meurt. Et en ce moment, la vision est en train. La vision est en Vision est corona. Et puis, ma bien, c'est ça. Pourquoi? Parce que le monde des oliviers, c'est le poumon. Est-ce que vous me comprenez? Que vous me comprenez? C'est le poumon. Nous voulons voir la vision décoller, accélérer le poumon, en bon état. Bon état. Nous avons la moisson 2000. Tout ça, c'est la vision. Il ne faut pas dire que Isaïe Bango, c'est pour eux. C'est à... Non, c'est la vision que Dieu aux gagnants d'âme. Aujourd'hui, le visionnaire n'est plus. Mais cela ne veut pas dire que la vision doit aussi mourir avec le visionnaire. La vision doit continuer. Alléluia. Amen. Nous avons la campagne de King Cole. Vous savez pas seulement la campagne. On va pas seulement continuer à faire la campagne de King Cole, mais nous voulons aussi... Nous devons saturer la ville de Kinshasa avec des campagnes. Amen. Je répète, je dis, on doit saturer la ville de Kinshasa avec des campagnes. L'onction du Père est sur nous. Et Dieu a dit à notre Père que c'est lui qui va donner son corps pour que Jésus l'utilise. Il fera des choses plus grandes que ce que Dieu a fait avec Jésus. Si Dieu a utilisé puissamment notre Père, mais maintenant la génération de Josué doit faire de plus grandes choses que Moïse. La génération d'Élie doit faire de plus grandes choses que la génération d'Élie. Ton amen ne me convainc pas. Toi et moi, nous sommes la génération de Josué. Toi et moi, nous sommes la génération d'Élisée. Élisée a fait plus qu'Élie. Parce qu'il a reçu le manteau d'Élie. Notre Élie est parti. Mais il n'est pas parti avec son manteau. Il a laissé son manteau. Son manteau est là. Son esprit est là. Son onction est là. Sa puissance est là. Si le Dieu de notre Père qui faisait des miracles, il est encore capable de faire des miracles avec toi. J'ai dit, il est encore capable de faire des miracles avec toi. Il est capable de faire marcher les paralytiques avec toi. Tout celui qui est enfant de gagner. Il est en alliance avec le Dieu de notre Père. Et cette mission là travaille en toi. Lève-toi. Travaille. Et tu verras l'onction en train de en train d'agir. Amen. Amen. Pour ceux qui étaient là, qui étaient ici, je crois lundi, je les ai donné le témoignage comment Dieu a fait un miracle. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Quelqu'un qui était aveugle. Et j'ai prié pour la personne. Aveugle de 5 jours. Et la personne a ouvert les yeux. Dieu a ouvert les yeux d'un aveugle. J'ai prié pour la personne. J'ai vu ce miracle-là. Et la chose étonnante.
La maman qui avait jeté la maladie à ce membre de mon église, quand j'ai prié pour elle, elle est devenue aveugle. Oh, maman a boit qu'elle a dit à Koufamiso. Tant qu'on a bonné pour la maman, elle a dit qu'elle a dit qu'elle a Koufimiso. Quand on a Koufimiso, on a dit qu'elle a dit jamais. Tout le monde est avec Aya Awa. Jamais abonné la bonne à Moutafongo la Missou. Azaki avec les Amoni. Bon, quand si pasteur Benya a bonné la bonne à Moutafongo la Missou, jamais ça les matins. Et quand j'ai prié pour elle, la maman, oh, elle voit qu'elle est malade, Yohana. Il y a beaucoup à combien avec. À combien avec. Tant qu'à combien avec, là. Si vous avez une semaine, deux jours après, vous avez une semaine, vous avez une pas maman Karim. Oh, il y a une semaine, vous avez vraiment, pardon. Est-ce que moi, ça vraiment, ok, maman, vous avez une semaine, vous avez une semaine, vous avez une semaine. Maman Karine n'a pas dans le pasteur. Tala batu ya bandeko ya maman na baye pa nangai balobi te ke na kende kuna maman na linga senga nga bolimbisi po misune fonga mana biso ko kete. Ko kende te. Elle se tika wa ko kete, jamais ko kete. Trois jours après bazongi sou pardon vraiment, pardon vraiment. Maman Karine alobi te. Na roya te, mais bon c'est la beaucoup tana na pasteur o abonde la gipo nanga. Balobi to ko kete, to boyi to roya te. Toko ka ete pour babangi onction va bien babongi babangi est pas quoi baba babangi esprit est vert ko ezali kakati na ngai. Et les gens commencent à me dire oh aux onction ko le ka effect na le bien onction ko le ka effect. Si Dieu était capable de ouvrir les yeux d'un aveugle à travers moi, ce n'est pas mon onction, c'est l'onction du Père. C'est l'onction du Père. C'est l'onction du Père. Et je suis sûr que cette génération, cette nouvelle saison, cette nouvelle ère qui va commencer en 2021, Dieu va faire des miracles, des miracles, des miracles. On n'a pas encore vu un gagneur d'âme. Naba musicien bako chama boko biki naba modérateur bako chama boko biki. Donc l'onction est là et c'est cette onction là que Dieu va répandre. Et par quoi zonde par quoi nzamba rosopa. Mais il faut être prêt. Kasi sengeli aussi lingwa. Et nous devons savoir que l'évêque a tout porté, a posé tous les fondements. Et il nous a montré la vision. Il nous a montré comment nous devons accomplir la vision. Et nous n'allons faire que du copier-coller. Du copier-coller. Jusqu'à ce que Jésus va revenir. Troisième préalable. Nous devons augmenter la vitesse avec laquelle nous formons des disciples. Tu dois augmenter la vitesse avec laquelle tu formes les disciples. Parce que le mot d'ordre que nous avons en tant que gagneurs d'âme, c'est quoi encore? Le mot d'ordre, c'est quoi encore? Hein? Allez et faites des disciples. Allez et faites des disciples. Matthieu chapitre 28, le verset 19. C'est ce que la Bible dit. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Paul qui continue à dire dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 2, il dit à Timothée, il dit, et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aux autres, qui soient fidèles
capable d'enseigner aussi à d'autres la formation des disciples. Je sais que nous les gagnants, nous avons été tellement beaucoup formés, encadrés par notre papa l'évêque. Nous avons beaucoup reçu. Maintenant, il est temps pour nous aussi de former des disciples. L'évêque nous a beaucoup montré. Il nous a beaucoup enseigné. Il nous a beaucoup encadré. Et maintenant, c'est à nous de former. C'est à nous d'encadrer. C'est à nous de former des disciples. Parce qu'un disciple a compris. Il fait les choses comme son maître. En cette nouvelle saison qui commence dans l'église gagneur d'âme, dans la communauté gagneur d'âme, nous devons maintenant voir des évêques kalala germer. Nous devons voir des gens qui font des choses comme lui. Parce qu'un disciple accompli fait les choses comme son maître. Un disciple accompli fait les choses comme son maître. Quand les gens vont commencer à nous voir à partir de 2021, ils vont dire, mais tu parles comme l'évêque Kalala. Comment tu parles comme l'évêque? Tu fais les choses, tu prêches comme l'évêque, tu pries comme lui, Dieu t'utilise comme l'évêque Kalala. Là tu vas dire que je suis le fils, la fille de l'évêque Kalala. Parce que tu as été un disciple accompli. Un disciple accompli. Jean chapitre 15, le verset 16. Jean chapitre 15, verset 16. Voici ce que la Bible dit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, qu'il vous le donne. Tu n'as pas le droit de recevoir quelque chose du Père si tu n'as pas porté du fruit et que ce fruit n'a pas demeuré. C'est la Bible, ce n'est pas moi. C'est la Bible, ce n'est pas moi. Il dit, afin que vous alliez, vous portez du fruit. Vous portez du fruit. Et que votre fruit demeure. Si le fruit demeure, tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, il va vous le donner. Donc en 2021, il faut que tu aies un amen. C'est ça la condition. Seigneur, je veux l'accélération. Je veux voir l'accélération de mes affaires. Il va te demander Wapi Mbuma Oboti. Alors présente-moi. Est-ce que tu as porté un fruit? Oui, j'ai gagné une personne, j'ai gagné, puis j'ai prêché la bonne nouvelle, la personne est venue à l'église. Ok, le Père va te demander, est-ce que la personne demeure? Est-ce que la personne demeure en Christ, demeure dans l'église? Oh, Moutango, Namouni, on dirait, tout passe. On est comme un charge là-bas, pasteur, ici, dans la salle. Ok, le Père te dit, ok, reviens quand le fruit va demeurer, comme ça, tout ce que tu vas me demander, je vais te donner. Maintenant, va d'abord travailler. Je vais te donner un peu de temps, je vais te donner un peu de temps.
Il faut que les âmes que tu vas gagner en 2021 puissent demeurer dans l'église. Parce que lorsque les âmes demeurent, l'église grandit. Lorsque les âmes ne demeurent pas, l'église reste la même. Il n'y aura pas accélération si les fruits ne demeurent pas. L'une des manifestations, des symptômes de l'accélération, c'est la stabilité. La stabilité. Et c'est ce que Dieu attend de nous. En 2021. Je dis, c'est ce que Dieu entend de nous. En 2021. Et pour finir. Voici quelques piliers pour vivre l'accélération. Et je vais clôturer par là. Je vais rapidement. Voici quelques piliers pour vivre l'accélération. Premièrement, nous devons nous fixer des objectifs à atteindre. C'est pratiquement derrière moi à droite. Tous ces piliers-là, c'était des piliers de progrès. Ça sera, on va continuer avec la même mission. Les piliers de l'accélération. Est-ce que tu peux lire le premier pilier, c'est quoi? Hein? C'est fixer des objectifs. Deuxièmement? Alors, revenons premièrement. Premièrement, c'est quoi? Dans la vie, lorsque tu ne sais pas où tu vas, n'importe quelle destination deviendra ta destination. Je répète. Lorsque tu ne sais pas où tu vas, tu ne connais pas ta destination. N'importe quelle destination deviendra ta destination. Afin de vivre l'accélération, il faut te fixer des objectifs. Deuxièmement, se discipliner. Un disciple sans discipline est un chaos. Je répète. Un disciple sans discipline est un désastre. Les gens qui courent dans des stades, qui courent dans des compétitions, la Bible dit, si vous lisez au verset 25 de 1 Corinthiens chapitre 9, la Bible dit qu'ils se donnent, ils ont de... ils ont des disciplines qu'ils s'imposent eux-mêmes à cause de la couronne, à cause du prix qu'ils doivent remporter. Tu dois avoir une vie disciplinée en 2021 pour atteindre ton objectif. Si tu n'as pas de discipline, ça sera difficile. Et si tu ne vis pas, si tu ne vois pas l'accélération, ça ne sera pas à cause de Dieu, ce sera ta propre faute. Quelqu'un dit discipline. Discipline. Quelqu'un dit discipline. Discipline. Troisième, quoi? Je ne t'entends pas. Ok. Tu dois traiter durement ton corps. Tu dois marcher dans la sanctification. Ça a à voir avec la sanctification. La vie de sanctification. Notre Père disait souvent que la sanctification est le véhicule qui transporte la présence de Dieu. Si tu donnes à ton corps tout ce que ton corps demande, ça veut dire que tu n'es pas discipliné. Parce que pour être d'abord capable de traiter durement ton corps, tu dois être discipliné. Alléluia. Amen. Pour vivre l'accélération, être discipliné. Fuir le péché. Je disais à quelqu'un que le péché, c'est comme un crédit que tu prends à la banque. Réjouis-toi aujourd'hui. Mais sache que demain tu dois payer.
Le péché, c'est comme un crédit que tu prends à la banque. Réjouis-toi aujourd'hui. Si tu te réjouis, oh, ma paix, c'est qu'à 30 000 dollars. Mais sache que demain, les 30 000, tu dois faire quoi? Tu dois payer. C'est ça le péché. Réjouis-toi aujourd'hui. Mais demain, tu vas payer les salaires du péché. C'est la mort. On va te payer ton salaire, c'est la mort. Quatrième, on dit quoi? Courir. Pour accomplir les objectifs. On doit accélérer pour prendre l'envol. Cinquième. Prière et jeûne multipliés. Dieu ne travaille pas sans la prière. Lorsqu'on prie, Dieu agit. Lorsque tu ne pries pas, Dieu n'agit pas. Lorsque tu pries, les anges agissent. Les anges travaillent. Dieu travaille en ta faveur. Dieu travaille pour l'accélération de ta vie, l'accélération de tes affaires, l'accélération. Lorsque tu pries pour ça, mais lorsque tu ne pries pas, cette année Dieu a dit que c'est l'année d'accélération. Minuit, 6 heures, il va finir bien. Et tu ne vois pas l'accélération, et tu vas te dire quoi? Non, le pasteur Benyaz a anxiété. Dans un ancien, il y a un autre qui a été de la tournée, il a fait des prières. Dieu travaille avec la prière. Répète après moi, Dieu travaille avec la prière. Dieu travaille avec la prière. Encore une fois de plus. Dieu travaille avec la prière. Moi, je peux prier pour toi, mais toi aussi, tu dois prier pour toi-même. Tu dois te prendre en charge. Tu dois te prendre en charge. Un chrétien qui n'a pas de vie de prière ne peut aller nulle part. Parce qu'un chrétien sans vie de prière est comme une voiture sans carburant. Même si tu démarres n'importe comment, la voiture ne va pas s'y déplacer. Il n'y a pas de carburant. Tu peux pousser, démarrer comme ça. Limba ça ne va pas bouger. Parce qu'il n'y a pas de carburant. Limba ezate. Six. C'est quoi? Amotoba ezani. Pesa. Donner. Je crois qu'on doit ajouter même 5-6 données ici. Et atatina suka. Nous devons augmenter la vitesse avec laquelle nous donnons. Dans cette année d'accélération. Augmenter la sensibilité à la voix du Saint-Esprit lorsque on va parler du donner. Septièmement. C'est quoi? Travailler plus que tout le monde. Regarde ton voisin, dis-lui, je vais travailler plus que toi en 2021. Regarde ton voisin, c'est lui qui est derrière. Dis-lui, même toi. Regarde celui qui est devant. Dis, je parle à toi aussi. Je te parle à toi aussi. Je vais travailler plus que toi en 2021. Et pour finir, nous devons donner le résultat au Seigneur. Dieu s'attend, il veut. La volonté de Dieu pour nous, c'est l'accélération de vie. Et lorsque nous allons arriver en décembre 2021, et nous regardons derrière, en nous disant réellement, cette année était une année d'accélération. J'ai donné le résultat qu'il fallait au Seigneur. J'ai travaillé plus que tout le monde. C'est ce que Paul qui disait. Il dit, parmi tous ces apôtres, moi j'ai travaillé tous. Avant de finir, je vais te poser une question. Cette année, c'était une année de progrès. As-tu progressé?
Celui qui était célibataire en 2020, tu es toujours célibataire. Mon temba, like ça le beau quand on tourne la vidéo. Au bali to bali te. Celui qui était chômeur, toujours chômeur. Yo ça qui nous sala, aussi nous sala tous huité. Celui qui n'avait pas de vie de prière. Mon temba qui n'a pas moi le sambo te. Tu as progressé. Ah ça aussi pour moi le sambo. Dans ta manière de donner, tu as progressé. Dans le langage qu'on peut ça. Dans ta manière de craindre Dieu, est-ce que tu as progressé? Dans le langage qu'on parle en sambo, quel iboso. Et si tu ne l'as pas fait, 2021, c'est un nouveau départ. Embarque-toi, jette-toi dans la barque. Jette-toi dans l'avion. Parce que Dieu est sur le point de nous, d'accélérer la vision. Le gagneur d'âme est sur le point de prendre l'envol. Je veux te voir accélérer dans ta vie chrétienne. Je veux te voir accélérer dans la marche avec lui. Dieu veut te voir accélérer dans la connaissance de la parole de Dieu. Dieu veut te voir augmenter la vitesse avec laquelle tu sers Dieu. Il veut te voir augmenter la vitesse avec laquelle tu accomplis la vie. Et c'est alors que nous allons tous témoigner. Que le Dieu de mon père, l'évêque Kalala, Zambia Tatalanga épiscopo Kalala, vous bénisse. Apambola bino. Je veux que tu te lèves en quelques minutes. Tu vas juste prier par rapport à la parole de ce soir. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi. En cette année 2021, dans tous les domaines dont tu exiges de moi, je voudrais vivre l'accélération. Je voudrais vivre l'accélération. Aide-moi à évangéliser comme jamais. Aide-moi à former des disciples comme jamais auparavant. Aide-moi à prier comme jamais auparavant. Donner comme jamais auparavant. Aide-moi à me selon les piliers qui sont là. Je veux que tout le monde qui est assis puisse se lever. Tout celui qui est assis, lève-toi. Nous allons prier. Tu fermes tes yeux. Tu élèves tes mains. Ouvre ta bouche, prie le Seigneur. Demande au Saint-Esprit de t'aider parce que toi-même tu ne sauras pas. Jésus. Montre-lui la décision que tu as prise. En cette nouvelle année, l'accélération divine. Demande-lui d'être équipé afin que tu répondes comme il le faut à cette vision. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, rends-moi capable. Rends-moi capable. Donne-moi les capacités qu'il faut. Donne-moi les capacités qu'il faut. Élève ta voix.
are the God of miracles. You gave me joy and peace within, Lord. Yes, I have come to testify. No one can do the things you do. Always on time, you never late. I've got to stand and testify, Lord.